tu me donnes 5 minutes, je vais retrouver les photos de dessin. Ça t'arrange? Non, pas du tout. Là, les symboles sur les portes, etc. Donc pour moi, c'est fondamental, c'est les escaliers. Il y en a plein. Et là, on voit que les tombes sont là et que les contre-allées en carreaux de céramique. Je sais que je les ai beaucoup d'ailleurs. Voilà pareil, vous voyez donc la vue d'ensemble depuis le départ, donc, et ça a été conçu. Et je dois faire un lieu de sépulture, de présence, d'intelligence, pour qu'un jour, les familles, les mères, les pères, les tribus, les pays sachent que leurs enfants sont dans le lieu paradisiaque, première marche du paradis, déjà à partir de la terre. Et je voulais que ces corps, dont personne ne voulait, qu'il est jeté, je les mette dans un lieu tellement magique, tellement beau, qui fera rougir de honte ceux qui ont fait les actes qu'ils ont fait. Pour moi, avec ce lieu, c'est peut-être une tombe symbolique que j'ai fait pour mon frère et aussi que j'ai fait comme cadeau à ma mère, même si elle n'est plus là. Ça, ils sont morts dans la même eau, ils sont même morts dans la même mer et pris par le même sel. Rivers of Africa. Yeah, just a drama. ما انا حتى الشارع اللي طمعوا به انه بشي زبله ولقيت العظام خارجه من الزبله واحد شيء بمني يا كوتي دي فري راح انا فهمني and those are the shoes here which are mended to cross the Libyan desert. It was not easy and they didn't have the opportunity to have good shoes in a rich people in a rich country like Libya and they died with them so at the sea. I have maybe 300 so pieces of that.